Eh bien salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le podcast de la magie pour le jour 13, donc pour le procédé magique numéro 13. Alors hier on avait vu comment les gens magiques pouvaient faire une différence et comment on pouvait surtout faire un peu comme on avait fait avec les relations magiques, éprouver de la gratitude pour trois personnes extraordinaires dans notre vie qui ont fait une différence dans notre vie. On a vu l'ingrédient magique, on a vu le matin magique, on a vu plein de choses dans ce podcast et on en est déjà rendu au jour 13. On est quasiment presque à la moitié de ce challenge de la magie, de ce livre la magie. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va voir comment on peut concrétiser tous nos rêves. Alors déjà, ce qu'on va faire ce matin, c'est que l'on va apprécier notre bonne fortune. Tous les jours, il faut le faire, c'est apprécier notre bonne fortune. Donc, vous dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez cette liste et vous dites les 3 mots magiques « merci, merci, merci » en éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Voilà, donc ça, je vais vous le répéter tous les jours, mais plus c'est répété, plus ça rentre. Voilà. Ensuite, pour concrétiser tous vos rêves, vous allez vous asseoir devant votre ordinateur ou avec un stylo et votre journal intime, un journal de gratitude, une feuille tout simplement. Et vous allez dresser la liste de 10 désirs les plus chers. 10 rêves que vous souhaitez voir se réaliser. Mais vraiment quelque chose, vous vous posez devant votre feuille et vous réfléchissez à ce que vous pourriez concrétiser dans votre vie. Vous écrivez « merci » 3 fois devant chacun des 10 désirs. Comme s'ils étaient déjà exaucés. Tout simplement. Par exemple, merci, merci, merci pour cette magnifique voiture que je viens de recevoir. Merci, merci, merci pour ce magnifique travail que je viens pour lequel je viens de postuler et qui je sais pas, le métier de vos rêves par exemple. Merci, merci, merci pour la femme de mes rêves qui apparaît dans ma vie. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Écrivez cette liste de 10 désirs les plus chers et vous écrivez devant merci, merci, merci pour, et là vous écrivez votre désir. Maintenant vous allez faire appel à votre imagination, donc à la visualisation, et vous allez répondre mentalement aux questions qui suivent. Notez-les, hein, notez-les, comme si votre désir était déjà exaucé. Donc vous répondez mentalement à ces questions comme si c'était déjà arrivé, comme si votre désir était déjà exaucé. La première question, c'est: quelles émotions avez-vous ressenti une fois votre désir exaucé? À qui avez-vous d'abord annoncé la concrétisation de votre souhait et comment avez-vous procédé? Et la troisième question: quelle fut la première chose formidable que vous ayez accomplie lorsque votre désir a été exaucé? Faut que vous vous représentiez le plus mentalement possible et avec le plus de détails possible ces 3 questions. Ensuite, vous allez relire la liste et mettre votre accent sur le mot magique « merci » de manière à le sentir le plus intensément possible. Donc vous relisez cette liste et vous éprouvez le plus d'intensité sur le mot magique « merci ». Si vous le souhaitez, vous pouvez carrément créer ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Donc un tableau magique. Vous découpez les images correspondant à votre désir et vous les affichez sur votre tableau. Que vous allez placer à un endroit où vous allez être tout le temps à cet endroit. Donc c'est un tableau de visualisation. Ça va vous permettre d'avoir, en plus de ce que vous avez visualisé mentalement, de le voir concrétiser sur votre tableau de visualisation. Ça, je l'ai souvent fait justement avec des choses que je voulais voir se concrétiser. Et dites-vous que c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment concrétisé beaucoup de choses sur mes 8 ans de développement personnel. J'ai pu concrétiser un maximum de choses qui étaient sur ce tableau de visualisation. Donc je vous invite à le faire. Et en dessous de chaque image, vous écrivez les 3 mots merci, merci et merci en lettres majuscules. Voilà, vous mettez un petit post-it ou sur la photo, vous faites en caractère gras le merci, merci, merci. Tout simplement, voilà. Et ensuite, avant d'aller vous coucher, ben, vous prenez pareil votre caillou de gratitude, votre caillou magique, et vous dites le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Et ça se trouve, peut-être qu'un de vos rêves va se matérialiser aujourd'hui. Voilà, c'était tout simplement ça. Concrétisez vos rêves, vous écrivez les 10 choses pour lesquelles vous souhaitez voir se concrétiser
ce désir-là. Vous dites les mots, vous écrivez merci, merci, merci pour la concrétisation de ce rêve. Ensuite, vous vous posez mentalement les questions et vous relisez ensuite ces phrases en éprouvant le plus d'intensité sur le mot merci. Et si jamais vous avez besoin de faire de la visualisation mentale, mais surtout visuelle, visualisation visuelle, faites-vous un petit tableau de visualisation. Franchement, ça a fait son effet et c'est le top. Voilà mes amis pour ce procédé magique numéro 13. J'espère qu'il vous plaît celui-ci, il est vraiment pas mal. Et puis je peux vous dire que pour moi ça fonctionne et ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à ça aujourd'hui que que j'ai pu concrétiser un maximum de mes rêves, de faire ce travail de réalisateur que je fais aujourd'hui. Voilà, en 8 ans il m'en est arrivé des choses et je vous en raconterai tout au long de ces podcasts. Demain on se retrouve pour le procédé magique numéro 14 pour passer une journée magique. Donc on a vu le matin magique et on va passer une journée magique. Donc on se retrouve demain pour le prochain podcast. Et moi je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains podcasts. Réécoutez les précédents si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à demain les amis. Bye bye.